Salut à tous. Je vais faire cette vidéo parce que je suis en petite balade là et je voulais vous montrer en fait que malgré le calendrier grégorien, on a même pas dépassé le 21 février. Le printemps est censé arriver au 21 mars, mais en fait il est déjà là depuis 2 semaines, 1 semaine. J'ai commencé à entendre des oiseaux dehors et à me rendre compte que il y a des fleurs qui fleurissent, il y a des bourgeons qui s'ouvrent, donc on est déjà au printemps. Et donc je vais vous le démontrer en fait, parce qu'il y a des signes, pour ceux qui les connaissent, de l'arrivée du printemps, comme la floraison des jonquilles, la floraison des primes verts et des crocus. Donc les jonquilles, je sais pas où il y en a, mais je sais où il y a des crocus, je sais où il y a des... Où il y a des primes verts. Je sais pas où il y a des primes verts, mais on m'a indiqué un endroit, je vais essayer de les trouver. Et alors je vais vous montrer un petit peu. Bon là on a un petit endroit sympa, là je me suis posé là pour l'instant. Avec le petit écoulement de l'eau. Un petit endroit, voilà, sympa. Bon après le terrain là il était défoncé il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. En fait je pense que c'est surtout pour creuser le fossé pour faire de l'irrigation. Et alors là il y a un truc que je vais vous montrer qui est assez intéressant, c'est que dans le coin là il y a une plante qui est assez fréquente, qui est celle-ci là, celle qui fait les tiges là comme ça. Bon alors là on la voit pas bien, mais elle fait des tiges vraiment vraiment un peu collé. Et ça en fait c'est ce sont des iris d'eau. Et donc j'en avais récupéré quelques-uns que j'avais mis en jardinière et ça m'a fait une fleur d'iris. Alors pour ceux qui sont un petit peu curieux et même les autres, je vous invite à aller voir à quoi ressemble la fleur d'iris, elle est vraiment magnifique. Et donc là on pourrait parier que d'ici mai-juin, bon ceux-là sont pas super développés, parce que je crois que je sais même pas si c'est moi qui les ai plantés ici ceux-là ou s'ils sont là de naturellement, parce que j'en ai planté aussi de l'autre côté de la rive là. Alors par contre j'ai pas le pont donc je vais peut-être pas pouvoir passer ici, mais j'en ai planté en fait un petit peu partout par là-bas. Et du coup je me suis dit tiens ça serait génial d'avoir un champ d'iris fleuri, ça serait magnifique. Donc on verra sur le temps si j'ai moyen de vous montrer ça. Et donc le cours d'eau, vous voyez, il vient d'assez loin et puis là il y a un autre affluent ici et puis hop ça repart comme ça sur la gauche. Et donc là-bas il y a un canal, donc en fait le canal il se déverse un petit peu comme ça. Voilà, donc on va se faire un petit tour. Alors je vais pas tout enregistrer mais je vais vous montrer un petit peu les signes du printemps. Alors si on écoute bien, on peut entendre des oiseaux. Alors peut-être pas là parce que le cours d'eau il doit faire du bruit, mais j'en ai entendu quelques-uns rien qu'en sortant. Ouais, là j'en entends, je sais pas si ça s'entend au micro. Enfin bref, j'espère qu'on en entendra sur les prochains enregistrements. Là je vais tenter d'aller voir les primes verts en fait, tout simplement. Donc je vous dis à plus tard pour quand je les aurai trouvés. Et d'ailleurs j'ai déjà trouvé des pissenlits en fleurs. Titre indicatif. Le pissenlit c'est une bonne plante qui permet de détoxifier le foie. On parle souvent du grand nettoyage de printemps. C'est le moment de se détoxifier. Allez. Alors là, là-haut, là, il y en a des oiseaux. Je vous laisse écouter un peu, profiter. On en entend plusieurs. Hein. Allez, on va continuer. Premier pollinisateur. Miam miam, je fais ma petite récolte.
Eh oui. Ah, comme quoi c'est bien le printemps. Hein. Bon ben finalement surprise, je rentre dans le petit bout de forêt là. Et là voilà la prime vert. Hein, donc c'est une feuille jaune pâle. Une fleur jaune pâle, pardon. Sa feuille ressemble à la bourrache. Sans qu'elle soit poilue en fait. C'est-à-dire que c'est une feuille qui est assez dure, qui a des nervures un petit peu. Voilà comme ça là. Une très jolie fleur. Voilà comme ça, une étoile à 5 branches. Avec. Allez sur le côté. Très jolie fleur. Donc la prime vert. Ah, j'ai le. Une ronce qui vient embêter ma caméra. Hop, attention. La prime vert, très jolie fleur. Donc qui peut. En fait, qui au-delà d'être alimentaire, elle est même médicinale finalement. Elle est expectorante, c'est-à-dire qu'elle favorise. L'expulsion des polluants, des tout ça dans les poumons. Donc quand vous prenez du thym et que vous toussez, c'est tout à fait normal puisque le thym est expectorant. Et donc vous avez des tas de plantes aussi comme ça sauvages qui le sont. Elle est antispasmodique, je pourrais pas vous dire ce que c'est. J'ai vu qu'elle était diurétique. Elle est diurétique cette plante là. Donc bon là après elle est un petit peu difficile à trouver on va dire, mais on va dire que si on la laisse se développer, alors c'est peut-être parce que les gens en récoltent aussi, mais si on la laisse se développer, finalement on peut en faire de la culture quoi. Bon après c'est une plante sauvage hein. C'est pas qu'on peut pas la cultiver, mais je dirais pousse assez bien un petit peu partout quoi. Alors je vais la laisser tranquille. Celle-là par contre là il y en a d'autres hein, avec des feuilles un peu plus petites. Tiens par exemple là. Hop, je prends une petite feuille parce que pour la goûter. Apparemment c'est une plante qui est piquante, donc qui est pas vraiment amère. Ah ouais. C'est pas mauvais mais c'est spécial. Si vous n'êtes pas habitué à manger des plantes sauvages, à goûter des plantes, c'est un peu spécial. Vous n'allez pas aimer, mais franchement il y a pire. Le plantain est très amer et il est très difficile à manger le plantain. Mais ça c'est sympa. Oh dis donc, il y a un joli hou là. Oula hoop. Un joli hou. Ah, il est bien grand hein. Voilà, voilà, donc du coup je suis content, j'ai fini par la trouver et par surprise. Donc on va se diriger vers le crocus. Et voilà la petite dernière, donc ça c'est le crocus. Alors quand on la regarde là on voit qu'elle ressemble un petit peu à l'iris, mais elle fait une feuille en fait qui se referme un petit peu sur elle-même là comme ça. Et alors excusez-moi pour le bruit, mais j'en ai pas trouvé beaucoup de. Il y a des travaux à côté. J'en ai pas trouvé beaucoup de. Des croquis, donc du coup je vous en montre un. Voilà. Et je sais qu'il y en a dans le coin et qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure du temps qui vont fleurir. Voilà, donc alors les jonquilles sont pas encore sorties, mais en voilà. Là on a le bouton de jonquille qui va sortir, donc c'est ça, ça fait des grandes feuilles là comme ça. Et la tige se confond un petit peu, c'est juste qu'en fait elle aura une fleur au bout alors que les autres n'en ont pas. Donc elles sont pas encore sorties, alors après ça dépend peut-être des endroits. Mais bon voilà, en tout cas là elles sont en train de sortir, donc c'est bien la preuve ultime qu'on est bien au printemps. Alors sympa juste comme ça la petite bâche là pour protéger des gelées. Donc voilà, c'est bien la preuve qu'on est au printemps. Il y a un magnifique jardin à côté, mais je sais pas si je peux vous montrer parce que c'est quand même chez quelqu'un. Je vais essayer de pas filmer la plaque déjà, mais enfin, vous voyez, il y a des tas de fleurs comme ça. Je vais laisser pas trop filmer chez les gens. Voilà, donc c'est pour dire que voilà cette vidéo, c'est pour dire que voilà, c'est le printemps, c'est génial, c'est la vie qui se relance, c'est toute une poésie. Xavier Louis de Isara a fait une vidéo sur le dégel,
avec une poésie de Raphaël Zachary de Izara. Donc c'est pareil, c'est en fait finalement c'est la poésie de la nature. Il n'y a même pas de mots en fait. Il suffit juste d'écouter. Le bruit des feuilles, le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, les travaux. Ouais, et il me répond l'oiseau en plus. Et bah ouais, je pense qu'il lui aussi ça l'emmerde un petit peu le bruit des travaux. Mais bon, c'est comme ça aussi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, bah c'est génial. J'espère que ce sera aussi le printemps dans votre cœur et dans votre tête. Parce que moi je l'ai senti venir comme ça finalement le printemps. Je me suis dit, ah tiens, tiens, ça commence à... Il y a des forces qui commencent à s'éveiller. Et je me suis dit, mais attends, mais je connais ça. Je connais ça, c'est le coup de boost après la déprime. C'est exactement ça le printemps, c'est le retour de la vie après les gelées de l'hiver, l'hibernation. Voilà. Donc j'espère vous avoir fait plaisir avec cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée.